pluies diluviennes, feux de forêt, inondations et records de chaleur. Les événements météo extrêmes et atypiques se sont multipliés sur la province en 2023. L'année a débuté avec un mois de janvier parmi les plus doux de l'histoire. La moyenne à Montréal a été de 4 degrés Celsius, soit près de deux fois plus chaud que la moyenne saisonnière. La métropole a reçu 190 % plus de neige que la normale. On a reçu beaucoup de neige au courant du mois de janvier. On est même ex-aequo, en fait, pour la région de Montréal, avec les quantités de neige là, les plus élevées pour un mois de janvier. Donc, près de 95 cm de neige reçue. Donc, on serait ex-aequo là, à quelques dixièmes de centimètres près avec la première position. Le printemps a été marqué d'abord par des inondations éclairs. L'Outaouais, Charlevoix et les Laurentides ont été particulièrement touchés. Deux pompiers ont même perdu la vie à Saint-Urbain après que la rivière du Gouffre se soit déchaînée. Pour les régions les plus au nord, le couvert de neige a augmenté jusqu'au début du mois d'avril. Ça, c'est assez exceptionnel. Je vous dirais même jusqu'au premier tiers là, donc, du mois d'avril, là, donc près du 10 avril, on continuait d'accumuler de la neige finalement sur les régions les plus au nord. Quand on a un couvert de neige qui est imposant comme ça, puis finalement une crue qui est tardive, ça augmente les chances là, d'avoir finalement une fonte qui est plus subite, un peu plus soudaine. Mais l'événement climatique le plus marquant de l'année demeure les feux de forêt en juin. L'ampleur était telle que la fumée a voyagé jusqu'à New York. Du temps très sec suivi d'orages ont créé les conditions parfaites pour une saison record. Au total, ce sont 4 millions d'hectares qui ont brûlé, soit plus que la somme des 20 dernières années. Environnement Canada a aussi battu un nombre record d'alertes de smog en 10 ans. Dans le fond, la fumée bien, se dirigeait là, au gré des vents, mais c'est accumulé, puis on a eu un panache de fumée là, assez dense et énorme aussi, qui a envahi là, tout le sud du Québec. Le secrétaire général de l'ONU avait cette mise en garde au milieu de l'été. Juillet a été le mois le plus chaud sur Terre jamais enregistré. The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. Au Québec, c'est des records de pluie qui ont été battus par la belle province. Montréal a enregistré 266 mm de pluie, Sherbrooke 310 mm et Québec 265 mm. L'automne a donné un répit niveau météo extrême aux Québécois. Bien que le début d'octobre a été particulièrement doux et la fin plutôt froide. Des accumulations de neige là, qui en ont sorti plusieurs à la fin du mois d'octobre et début du mois de novembre là, dernièrement. Les experts s'entendent pour dire que 2023 a donné un avant-goût des extrêmes qui nous attendent à l'avenir, le climat étant de plus en plus déréglé. Catherine Mouchard, TVA Nouvelles, Montréal.